Le contrat de gestion, une formalité, un enjeu sans lien avec votre quotidien? Certainement pas. Conclu entre Actiris et le gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale, le contrat de gestion fixe nos missions et nos moyens d'action. Ce contrat fixe notre cadre de travail et définit notre culture d'entreprise. Très concrètement, il répond à des questions aussi importantes que celles-ci. Quelles solutions proposons-nous aux employeurs et aux chercheurs d'emploi? Comment garantissons-nous des services de qualité? Comment, dans nos équipes au jour le jour, réalisons-nous ces objectifs? Avec quels moyens? Aujourd'hui, dans la foulée du premier contrat de gestion signé en 2006, un deuxième contrat de gestion entre en vigueur. Il s'agit de notre feuille de route pour les 5 prochaines années, de 2013 à 2017. Pour l'élaboration de ce deuxième contrat de gestion, le comité de direction a choisi d'impliquer l'ensemble du personnel en amont des discussions. En tant qu'experts de la matière et du terrain, les collaborateurs d'Actiris étaient les mieux placés pour donner leur avis et proposer des idées. L'ensemble du personnel a été consulté, notamment à travers une enquête en ligne à laquelle 500 collaborateurs ont répondu. Actiris est ensuite entré en négociation avec le gouvernement et les partenaires sociaux, sur base de la nouvelle vision et des missions définies grâce à la consultation de l'ensemble de l'équipe. Le texte final du contrat de gestion est donc le fruit d'une concertation entre Actiris, le gouvernement et les représentants des syndicats et des employeurs qui composent le comité de gestion d'Actiris. Alors finalement, quel est le rôle d'Actiris? En une seule phrase, le rôle d'Actiris est de permettre aux chercheurs d'emploi bruxellois de trouver un employeur et de permettre aux employeurs bruxellois d'embaucher. En un seul mot, le matching. Actiris doit assurer le matching entre employeurs bruxellois et chercheurs d'emploi bruxellois. C'est notre cœur de métier. Oui, dans les 5 prochaines années, notre ambition est de transformer Actiris en fournisseur public de solutions pour l'emploi bruxellois, avec comme cœur de métier le matching. Actiris, plus que jamais, doit être au cœur de l'emploi. Deux missions stratégiques et transversales. Assurer le matching entre les employeurs et les chercheurs d'emploi. Le contrat de gestion demande en tout premier lieu à Actiris d'améliorer la qualité de nos services aux employeurs. Oui, mais comment ? Par une approche sectorielle du monde de l'entreprise. Autrement dit, Actiris s'engage à proposer des services différenciés aux employeurs selon leur secteur d'activité. Services aux entreprises. Commerce, horeca, tourisme, industrie, construction, transport et logistique et métiers de l'environnement, institutions publiques et éducation. Services aux personnes. Un sixième segment concerne la mobilité interrégionale, en particulier vers la Flandre. Actiris s'engage à offrir aux employeurs un service performant et gratuit de présélection et de pré-recrutement des chercheurs d'emploi, qui sera fait sur base des compétences des chercheurs d'emploi testés en fonction des profils recherchés. Actiris s'engage à passer des conventions avec les entreprises qui proposent de nombreux emplois. Actiris mettra à disposition de l'employeur une personne de contact unique. Celle-ci sera la porte d'entrée vers l'équipe sectorielle. Enfin, Actiris s'engage à améliorer ses outils e-service aux employeurs pour que la transmission des offres d'emploi par les employeurs à Actiris soit automatique et de meilleure qualité. L'objectif, offrir des solutions aux employeurs, évidemment, mais avec un but précis. Obtenir le plus grand nombre possible d'offres d'emploi à proposer aux chercheurs d'emploi bruxellois. Organiser la transition vers l'emploi. Et devenir un fournisseur de solutions pour chaque chercheur d'emploi bruxellois pour faciliter sa transition vers l'emploi. Quelles seront ces solutions? Actiris s'engage à veiller à ce que, à terme, chaque chercheur d'emploi dispose d'un CV. Actiris continuera à développer son accompagnement individualisé du chercheur d'emploi par le conseiller emploi et par nos partenaires, en élaborant et en veillant à la mise en œuvre du plan d'action personnalisé du chercheur d'emploi. Actiris évaluera les compétences et les qualifications réelles des chercheurs d'emploi grâce au recours à des tests de compétences. Ces tests permettront de mieux renseigner les chercheurs d'emploi durant leur accompagnement et d'améliorer la satisfaction des offres des employeurs. En bref, améliorer le matching. Enfin, Actiris s'engage aussi à revoir les heures d'ouverture de ses services et antennes de proximité afin de mieux s'adapter à la réalité du terrain et aux attentes des chercheurs d'emploi. Le contrat de gestion attribue également à Actiris 3 missions complémentaires. Contribuer à l'augmentation du volume d'emplois accessible aux Bruxellois. Si nous voulons offrir des solutions aux chercheurs d'emploi bruxellois, il est fondamental de contribuer également à augmenter le nombre d'emplois disponibles. Comment ?
Actiris s'engage à soutenir les dispositifs d'aide à l'autocréation d'emplois par les chercheurs d'emploi eux-mêmes. Actiris s'engage à promouvoir l'utilisation des clauses sociales et sociétales dans les cahiers spéciaux des charges des marchés publics bruxellois. L'objectif est clair, relocaliser l'emploi au bénéfice des chercheurs d'emploi bruxellois. Enfin, Actiris s'engage à gérer ses différents programmes d'emploi dans le but de contribuer à l'augmentation du volume d'emplois accessible aux Bruxellois. Observer le marché de l'emploi. Actiris a pour objectif de développer une vision claire du marché du travail bruxellois et d'anticiper ses transformations pour permettre à Actiris et à nos partenaires de réorienter nos actions en conséquence. Développer la dimension internationale du matching. Notre environnement socio-économique ne se limite pas aux frontières de la région ou du pays. Actiris s'engage formellement à décliner ses actions à l'international. L'objectif, en cohérence avec notre statut de service public de l'emploi de la capitale de l'Europe, est de faciliter la mobilité géographique et de permettre un matching entre les Bruxellois souhaitant une mobilité et les offres d'emploi internationales. Renforcer nos relations avec nos partenaires. Nous le savons, quelle que soit, demain, la qualité des services offerts par Actiris, le défi de l'emploi bruxellois ne se gagnera pas seul. Le nouveau contrat de gestion nous engage à renforcer nos relations avec nos partenaires, qu'ils soient publics ou privés, marchands ou non marchands. L'objectif, clarifier le rôle de chacun et utiliser au mieux les moyens publics mis à notre disposition afin de répondre de manière optimale aux besoins des employeurs et des chercheurs d'emploi bruxellois. Actiris poursuivra cet objectif en modernisant ses conventions de partenariat tout en garantissant un support de qualité à chacun de nos partenaires. En particulier, parce que emploi et formation professionnelle sont indissociables, le contrat de gestion nous demande de renforcer nettement nos collaborations avec les deux services publics de formation que sont Bruxelles Formation et le Regional Dienst voor Beroepsopleiding du VDAB. Afin de rendre la transition de la recherche d'emploi vers la formation, puis la transition de la formation vers l'emploi la plus fluide possible, Actiris, Bruxelles Formation et le VDAB renforceront leur concertation pour partager davantage encore nos moyens opérationnels. Un exemple, Actiris s'engage à développer le dossier unique du chercheur d'emploi en collaboration continue avec Bruxelles Formation et le VDAB. Le nouveau contrat de gestion est également attentif à la dynamique interne à Actiris, à nos méthodes de travail, à notre culture d'entreprise. Si nous voulons atteindre ces objectifs, il faut poursuivre la modernisation d'Actiris. Le gouvernement s'est engagé à investir sur trois fronts. Une rénovation complète de nos moyens informatiques. Un nouveau bâtiment conforme aux normes de travail modernes. Un nouveau cadre et un nouveau statut pour le personnel. Actiris dispose donc de sa feuille de route pour les 5 années à venir. Mais nous le savons tous, les bonnes intentions sont toujours prêtes à rester couchées sur le papier. Rien de tout cela ne se fera sans le professionnalisme quotidien des femmes et des hommes qui se consacrent chaque jour à l'amélioration des services qu'Actiris et ses partenaires offrent aux employeurs et chercheurs d'emploi bruxellois. Priorité donc à l'équipe. Le gouvernement et les partenaires sociaux nous demandent entre autres de investir encore plus dans la formation du personnel. Organiser le changement en inversant la pyramide, c'est-à-dire en nous mettant d'abord à l'écoute des équipes de terrain. Veiller en permanence à être orienté solution, orienté client et orienté résultat. Renforcer la transversalité à tous les niveaux. Garantir la transparence et l'évaluation de notre travail au moyen d'indicateurs de suivi, de résultats et de performance qui seront toujours collectifs. Faire progresser la bonne gouvernance et l'efficience dans l'utilisation des moyens mis à notre disposition par les contribuables. Contribuer à la simplification administrative. Enfin, et ce n'est pas rien, inscrire Actiris dans le 21e siècle, celui de la solidarité avec les générations futures, en introduisant le respect pour notre environnement, la gestion durable et responsable dans nos pratiques professionnelles. Avec vous, Actiris sera fournisseur de solutions pour l'emploi bruxellois. Avec vous, Actiris sera au cœur de l'emploi.